Bonjour, bonjour, bonjour les frères et sœurs. C'est une grâce encore pour nous ce matin de nous retrouver dans la présence du Seigneur. Amen. Pour l'adorer, pour le célébrer et pour le rendre grâce pour tout ce qu'il a fait dans nos vies et pour tout ce qu'il va faire encore dans nos cœurs ce matin. C'est pourquoi dans nos cœurs nous sommes animés par sa joie, parce que nous réalisons la bonté qu'il a manifestée envers nous et qu'il continue à manifester envers nous. Et ce matin encore, il va nous visiter. C'est pourquoi allons nous mettre debout et allons le remercier pour ce qu'il va faire dans nos cœurs ce matin. Le psalmiste disait que quelle joie pour lui de venir à la maison de l'Éternel. Amen. Il dit, car c'est là que Dieu se révèle, car c'est là où Dieu manifeste sa grâce, sa miséricorde, et c'est là où il prend soin de tous ceux qui lui appartiennent. C'est pourquoi ce matin, chacun de nous, le Seigneur a quelque chose de bien particulier pour nous. Et il va le mettre dans nos cœurs ce matin. C'est pourquoi allons commencer par le prier, et ensuite nous allons le louer de tout notre cœur. Amen. À toi la gloire, Jésus. Seigneur, merci pour cette grâce que tu nous donnes ce matin encore, de nous retrouver dans ce lieu, de nous retrouver dans cette communion avec toi et avec nos frères et nos sœurs. Nous savons, Seigneur, c'est toi qui l'as préparé pour nous. C'est un jour bien spécifique pour ton Église, parce que tu veux te révéler, parce que tu veux la guérir ce matin, tu veux panser son cœur, et tu veux te révéler pleinement dans toute ta plénitude dans sa vie. C'est pourquoi ce matin, nous ouvrons nos cœurs vers toi. Et nous nous attendons, Seigneur, à ta grâce. Nous nous attendons à ce que tu te manifestes ce matin, à ce que tu touches la vie de chacun de nous. Et que personne, Seigneur, ne soit privé de ta grâce ce matin. Que personne ne se prive, Seigneur, de la communion avec toi. C'est pourquoi nous te bénissons ce matin. Nous te disons merci pour tout ce que tu vas faire. Merci pour tout ce que tu vas apporter ce matin dans la vie de ton Église. Que ton nom soit glorifié. Que ton nom soit élevé ce matin. À toi toute la gloire, Jésus. À toi toute la gloire ce matin. Alléluia. Merci, Seigneur. Merci, Jésus. Acclamons le Seigneur et réjouissons-nous ce matin. C'est une journée spécifique pour nous. Alléluia. Que les cieux et la terre soient remplis de joie. Que le peuple de Dieu le célèbre en chantant des louanges. Vous qui venez des vallées. Levez-vous chanter.
Seigneur a fait. Je me réjouis, je me réjouis. Et le célèbre, il marche devant moi. Il marche devant moi. À côté de moi. À côté de moi. Il vit en moi, il est le berger de mon âme. Mon Jésus, bien fort ce matin. Alléluia. Le Seigneur est bon. Le Seigneur est bon. Et venons devant lui avec reconnaissance ce matin. Alléluia. Alléluia. Sa présence, chantons grand et plus fort de son nom. Louons avec nos instruments, louons avec nos voix. Louons-le sur la terre et dans les cieux, élevant son nom de tout notre cœur. Le Seigneur est bon. Sur la terre et dans les cieux, élevant son nom.
Seigneur est bon. Seigneur, tout puissant, pour t'adorer, Seigneur Jésus.
Alléluia. Merci Seigneur, merci Jésus. Alléluia, alléluia, alléluia. Ton nom soit glorifié, Seigneur. Alléluia. Quand je regarde à ta sainteté. Alléluia.
Jésus, t'adorons. Seigneur, c'est tellement bon quand ta lumière fait de l'ombre autour de nous, Seigneur. Oh, nous t'adorons, Seigneur, quand ta lumière vient sur nous, Seigneur. Quand ta lumière vient, Jésus, nous voulons que l'accepter. Nous voulons, Seigneur, que la prendre dans notre cœur, Jésus. Alléluia, tu es revêtu de gloire et de majesté, Seigneur. Alléluia, nous t'adorons. Alléluia. Alléluia. Dieu tout-puissant, plein de gloire, tu es I'm not afraid to die.
ce matin, Seigneur. Nous voulons t'adorer. Alléluia. Jésus, nous te couronnons. Nous te proclamons. Présent. Nous t'adorons, nous t'adorons.
toi la gloire ce matin, Seigneur. Nos cœurs se courbent devant toi, car ta parole est notre lumière. C'est pourquoi ce matin, en t'adorant, en te louant, nous réalisons la grandeur de ta grâce pour nous. Nous réalisons l'appel que tu as mis sur notre vie en tant que ton peuple. C'est pourquoi ce matin, nos cœurs sont ouverts et disposés à nous laisser construire par toi, à nous laisser réprimander par toi, à nous laisser corriger par toi. Parce que tu recherches notre bien-être, tu recherches notre paix et notre bonheur. C'est pourquoi ce matin, nous sommes là devant toi et nos cœurs sont ouverts pour entendre et pour recevoir. Seigneur, merci pour ta grâce sur nos vies ce matin. Merci pour ce que tu vas faire encore. Merci pour ce que tu vas emmener et rajouter encore dans nos vies ce matin. Nous te louons et nous te remercions pour ce que tu vas faire en nous. À toi la gloire ce matin, Seigneur. Merci, Jésus. Alléluia. Alléluia. Rebonjour les frères et sœurs. C'est super d'adorer le Seigneur et de ressentir sa présence dans notre cœur. Amen. C'est pourquoi, sans plus tarder, nous allons vous laisser la joie de pouvoir le servir. La joie de manifester notre reconnaissance envers le Seigneur. L'apôtre Paul rendait témoignage des Macédoniens. Comment ils étaient pauvres, mais envers la grâce qui s'est manifestée dans leur vie, ils étaient devenus riches, riches dans la foi. Et l'apôtre Paul rendait témoignage de leur foi, de la grâce qui s'est manifestée envers eux. Et il dit qu'ils ont donné au-delà de leur capacité, en insistant auprès de nous d'avoir part dans cette grande œuvre. Et dans les cœurs de ces Macédoniens, ils ont goûté à la grâce du Seigneur. Quand nous goûtons à la grâce du Seigneur, frères et sœurs, nous ne pouvons pas ne pas le servir et ne pas avoir un cœur pour tous ceux qui ont besoin de recevoir l'Évangile dans leur vie. Ce qu'il y avait dans le cœur des Macédoniens, ils ont goûté à la grâce de Dieu et ils s'étaient dit, il faut que cette grâce parvienne à tous les hommes de la terre. C'est pour cela qu'ils ont insisté auprès de l'apôtre Paul d'avoir part dans la collecte qui devait se faire pour l'église de Jérusalem. C'est pourquoi ce matin, nous aussi allons manifester notre joie, notre libéralité envers le Seigneur pour ce qu'il a fait dans nos vies et pour ce qu'il va continuer à faire dans notre cœur. Amen. Je suis sûr que chacun de nous, nous avons goûté à la grâce du Seigneur. C'est vrai, c'est pas vrai? Goûter à la grâce de Dieu. Nous étions dans le paganisme et nous servons des dieux qui n'étaient pas de leur nature et nous étions zélés. Dans notre ignorance, on était zélés. Et on faisait beaucoup de choses, parce qu'il y avait quelque chose dans notre cœur, il y avait une foi quelque part dans notre cœur envers les choses que nous croyons. Mais la grâce de Dieu s'est révélée dans notre vie. Il nous a mis en communion avec lui et il nous a montré qui il était en agissant dans notre vie et en transformant nos cœurs. C'est pourquoi ce matin, c'est avec reconnaissance que nous voulons manifester notre cœur envers le Seigneur. Amen. Gloire à Dieu. Vous allez bien? Est-ce que tout le monde va bien? On est là, on passe un moment ensemble. En plus, quelle grâce, on est le Nord et l'Est ensemble. Les frères ont réussi à faire de la place de manière à respecter en même temps les distanciations sanitaires pour qu'on puisse se retrouver. C'est vraiment super. Donc, nous sommes là pour avoir un moment dans la présence de Dieu, pour l'adorer, pour le chercher et pour recevoir sa parole. OK? On est là pour ça. On est là parce que on veut entendre de Jésus.
On veut entendre la voix du bon berger. On n'est pas là pour qu'il nous dise ce qu'on aimerait entendre. Ça, c'est une tromperie, ça. On doit vouloir entendre ce qu'il a à nous dire. Hein? Oui ou non? Moi, je sais, moi, qu'il y a des chrétiens qui viennent pour que le Seigneur confirme. J'ai besoin d'une confirmation. Ils ne cherchent que la confirmation de ce qu'ils pensent. Mais venir devant la prédication de l'Évangile, c'est venir pour entendre la parole de Dieu nous parler, comme elle doit nous parler. Et c'est comme ça que ça nous amène à nous remettre en question et non pas à nous conforter dans notre chemin que nous sommes en train de prendre, qui peut aussi nous perdre. Dans ces derniers temps, nous avons besoin d'un évangile qui nous amène à nous remettre en question. Hein? Et croyez-moi, on cherche l'amour de Dieu, mais on ne réalise pas que une des plus grandes manifestations de l'amour de Dieu, c'est qu'il nous parle dans la vérité. Hein? On veut, nous, un amour qui nous comprenne. On veut un amour de Dieu qui nous comprend, parce que c'est comme ça qu'on estime que l'amour est. L'amour nous comprend, nous accepte tel qu'on est. C'est pas faux. Mais l'amour de Dieu est bien plus élevé que ça. L'amour de Dieu nous amène la vérité, parce que sans la vérité, nous nous égarons. Celui qui ne veut pas de la vérité, il s'égare, ça c'est sûr. Il va s'égarer à un moment ou à un autre. On peut résister à la vérité pendant un temps, mais on ne peut pas résister à la vérité pour tout le temps. Il y a un moment où, à force d'être confronté à elle, on a une décision à prendre. Il y a des changements qui doivent prendre place. Et si on ne cède pas à la vérité, nous allons céder au mensonge. Parce que le contraire de la vérité, c'est le mensonge. Hein? Et la vérité, elle est la vérité si elle est entièrement la vérité. La vérité n'est pas la vérité en étant un petit bout de vérité. Hein? Sans intervenir, mais vous pouvez m'accompagner dans la prédication. Hein? Discrètement. Ça, c'est la vérité. La vérité, elle est pleinement la vérité. Mais malheureusement, nous avons tendance à vouloir d'une vérité qui est changée. Parce que nous voulons que d'une vérité qui nous comprend, qui accepte, qui ne va pas trop loin, qui ne nous brusque pas. Mais les frères et les sœurs, nous devons aimer la vérité qui nous bouscule. Parce que c'est elle qui nous sauve. Et quand elle nous bouscule, humilions-nous, ne nous justifions pas. Alléluia. Donc, puisqu'on parle de la vérité, on ne va pas s'éloigner du sujet ce matin. On va aller dans Jean, chapitre 14. Jean, chapitre 14. Mesdames et messieurs, nous annonçons Jean, chapitre 14. Et vous savez, en ce qui concerne la vérité, tout le monde dit être dans la vérité. On est d'accord, ça? Hein? Tout le monde entier dit qu'il a la vérité. Et le monde entier qui ne comprend pas ce que c'est que la vérité, dit que c'est ça la vérité. Mais chacun croit comme il veut. Parce que le monde ne connaît pas Dieu. Mais ceux qui connaissent Dieu, ils doivent savoir qu'il n'y a qu'une vérité. Et le signe de l'unité, la véritable unité de l'Église et des croyants, c'est quand la vérité anime les croyants, quand ils marchent dans la seule vérité.
pas quand ils marchent ensemble avec des vérités différentes. C'est la vérité qui nous unit. Hein? Jésus, lui, il a dit à Thomas, Jean 14, 5, Thomas lui dit, « Seigneur, nous ne savons où tu vas, comment pouvons-nous en savoir le chemin ?» Jésus lui dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Je suis le chemin, la vérité et la vie. » Notez bien l'ordre. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Jean chapitre 10 nous dit même que c'est comme si qu'il y a quelque chose encore avant d'entrer dans le chemin. Jean chapitre 10 et le verset 7. Jésus leur dit encore, en vérité, je vous le dis, je suis la porte des brebis. Tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des brigands, mais les brebis ne les ont point écoutés. Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé, il entrera et il sortira et il trouvera des pâturages. Le voleur ne vient que pour être dérobé, égorgé et détruire. Et moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles aient en abondance. Qu'elles aient la vie. Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Voyez où se situe la vie? Bien sûr, quand nous naissons de nouveau, nous avons la vie, une mesure de vie dès le départ pour être sauvés. Parce qu'on ne peut pas devenir un enfant de Dieu si on n'a pas la vie de Dieu en nous. Donc le salut commence par le pardon des péchés, la purification des péchés, et par la régénération par le Saint-Esprit, le renouvellement par la parole de Dieu, par l'action de la parole de Dieu en nous. Et ça nous transmet la vie du Seigneur. Ça, c'est quand nous passons par la porte. Jésus est la porte. On ne peut pas entrer dans le troupeau de Dieu sans passer par la porte de l'enclos. Il y en a qui passent par ailleurs, Jésus dit que ce sont des voleurs et des brigands. Mais la brebis, elle passe par la porte. Quand elle veut entrer, le portier ouvre la porte et le berger accompagne sa brebis à l'intérieur. Le Saint-Esprit œuvre, la porte s'ouvre, la brebis entend la voix du Seigneur, elle se repent et elle rentre. Et c'est comme ça que dès que la brebis entre, commence devant elle un chemin. Un chemin. Et c'est ce que Jésus dit dans Jean 14. Peut-être que visuellement, comme ça, ça n'a pas trop de sens, parce que quand on rentre dans le troupeau, il n'y a pas de chemin, on est dans le troupeau. Mais voyez bien dans l'esprit les choses. Parce que l'enclos de Dieu, c'est pas un endroit où on s'amasse, où on est comme les brebis dans les parcs. Hein? Mais on entre dans le plan de Dieu, le plan du salut. Et la brebis, elle a pour objectif de saisir la vie. De saisir la vie. C'est étonnant, mais Paul dit à Timothée, saisis la vie véritable, saisis. Donc il y a une vie à saisir. Et pour cela, il faut prendre un chemin. Et sur ce chemin, ce qui fait la liaison entre le chemin et la vie, c'est la vérité. La vérité, c'est sérieux. Parce que la vérité, c'est ce qui nous permet déjà d'entrer par la porte, de comprendre le chemin, de suivre le chemin pour ne pas s'égarer, et d'arriver à saisir la vie, que ce soit en cours de chemin parce que nous avons besoin de la vie de Dieu, grandir en Christ, mais surtout au bout de notre vie, achever notre course et saisir la vie.
Donc la vérité joue un rôle important. C'est le repère, c'est la référence même du chrétien dans sa marche. Rien ne doit remplacer la vérité. Rien. Pas je crois, hein? Pas moi je crois, toi tu crois, lui il croit, mais ça doit être la vérité. C'est pourquoi la vérité, elle est établie par les ministres de l'Évangile. Tout d'abord par le ministère apostolique, dont Éphésiens chapitre 4 et verset 11 nous dit, ministère des prophètes, le ministère des enseignants, hein, le ministère des pasteurs, le ministère des évangélistes, d'accord ? Ces cinq ministères établissent la vérité. Un chrétien n'établit pas c'est quoi la vérité. Il ne peut pas. Il peut avoir la vérité pour entrer dans l'enclos. D'accord ? Mais il lui faut une grâce très spéciale dans des conditions exceptionnelles pour qu'il saisisse la vérité pour ce chemin et pour saisir la vie. Cette vérité-là, elle doit être révélée par ceux que Dieu appelle pour qu'ils en parlent. Et l'Église ouvre son cœur, saisit, obéit, met en pratique. Et là, ils restent dans le chemin sur lequel ils se sont mis en passant la porte. Et dans ce chemin, ils vont grandir. Et dans ce chemin, ils seront constamment confrontés à la vérité. Là, je ne dis pas que c'est le problème, mais on a tendance à vouloir plus la grâce sur le chemin, la grâce sans considérer la vérité. Mais Jean dit que Jésus, c'est la parole qui a été faite chair, qui est pleine de grâce et de vérité. La grâce et la vérité marchent ensemble. On ne peut pas vouloir dans notre chemin que de la grâce qui en plus met à l'écart la vérité. On ne peut pas, parce que cette grâce-là, dans la parole de Dieu, cette manière d'interpréter la grâce de Dieu, elle a été condamnée par les apôtres. C'est une grâce qui transforme la vérité en licence, l'acceptation du mal. Mais la grâce, c'est l'accompagnement de Dieu dans notre vie pour qu'il n'y ait pas de condamnation, pour que le péché ne triomphe pas de nous, pour qu'on soit libre avec Dieu afin de marcher dans la vérité. Hein? Mais Jésus dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Il ne dit pas, je suis le chemin, la grâce et la vérité. Parce qu'il y a quelque chose qu'il fait ressortir. La grâce, de toute façon, elle est là dès le départ. Elle soutient toute chose. Sans elle, on ne peut rien faire. D'accord? Mais la grâce devient rapidement un prétexte, une excuse. Pour ne pas faire face à la vérité. On ne veut que de la grâce dans le sens qu'on veut l'acceptation, mais on ne veut pas d'un Dieu qui nous accepte et qui nous travaille. Parce que Dieu nous accepte pour œuvrer en nous. Il ne nous accepte pas pour nous laisser là et pour nous dire « c'est bon comme tu es ». Non. Parce qu'il y a un chemin à parcourir en tant que brebis. Et il y a une vie à saisir avec le berger. Et la vérité joue un rôle important. Et ce chemin que nous prenons dans Matthieu chapitre 7, Jésus parle aussi de ce chemin et il parle de la porte aussi d'ailleurs au verset 13. Entrez, entrez par la porte étroite, car large est la porte, spacieux le chemin qui mène à la perdition, et il y en a beaucoup qui entrent par là. Mais étroite est la porte c'est le salut, elle est étroite, on n'y entre pas n'importe comment, on ne fait pas son choix, elle est étroite.
Elle ne laisse pas place à nos raisonnements, à tout ce qu'on est. Non, elle est étroite. On y entre par la foi. Donc la porte est étroite. Resserrez le chemin qui mène à la vie. Et qu'est-ce que le Seigneur dit ? Et il y en a peu, hein, qui les trouvent. Le chemin et la vie. Il y en a peu qui les trouvent. Réalisez bien ce que le Seigneur est en train de dire, mes frères et mes sœurs. D'ailleurs, Jésus a déjà dit qu'il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Il y en a peu qui trouvent la porte. Quand ils ont trouvé la porte, il y en a peu qui acceptent le chemin. Et au bout, il y en aura peu qui saisiront la vie. C'est pourquoi nous sommes sauvés, c'est pour marcher dans la crainte de Dieu, dans l'obéissance à la voix du berger. La voix du berger ne nous fera entendre que la vérité, pas autre chose. Pas autre chose. La vérité, elle est reliée à la parole de Dieu. Ce n'est pas les opinions d'une tradition, d'une religion, d'un homme, si intelligent qu'il soit. Ça n'a rien à voir, c'est la parole de Dieu révélée, la vérité. Un chrétien doit s'attacher à la vérité. Ok ? Et c'est comme ça que, même que le chemin est resserré, parce que la vérité, elle ouvre une porte qui est étroite et elle trace un chemin qui est resserré. Le chemin qui est resserré, c'est un chemin qui ne vous laisse pas d'option. C'est un chemin qui ne vous laisse pas plusieurs options. Il est resserré. C'est un chemin sur lequel on ne vient pas avec nos affaires. Ça me fait penser que Paul a dit à Timothée que celui qui est enrôlé, il ne s'embarrasse pas des affaires de la vie. Donc, au fur et à mesure que nous avançons sur le chemin, les frères et les sœurs, le chemin se resserre. Il y a des choses sur lesquelles Dieu, en quelque sorte, il a passé, mais au fur et à mesure que le chemin se resserre, la vérité nous interpelle pour de plus en plus nous débarrasser de ce qui va nous empêcher d'avancer dans le chemin étroit. Parce qu'il y a des choses qui ne nous embarrassaient pas à une époque, mais au fur et à mesure que la vérité vient parce que le chemin se resserre, donc la vérité s'adresse à nous dans un temps où le chemin est resserré. Ce n'est pas un chemin qui s'adapte à nous, c'est un chemin que la vérité déclare qui se resserre, qui nous prend notre confort. Je parle de confort spirituel. Je ne parle pas que ça va prendre votre maison et votre voiture et tout ça. Pour peu que ça soit un confort, parce que ça fait partie des choses basiques de la vie aujourd'hui. OK ? Mais la vérité vient au fur et à mesure vous appeler à renoncer à vous-même et le chemin se resserre. C'est pourquoi il faut aimer la vérité pour accepter ce qu'elle veut nous prendre. Parce que ce qu'elle nous demande d'abandonner, c'est pour avoir la vie. Et dans l'étape dans laquelle nous sommes, quand nous abandonnons, à cause de l'obéissance à la vérité, nous abandonnons les choses que la vérité nous demande. Quand nous le faisons, le Seigneur augmente la puissance de sa vie en nous. Et en plus, nous avons rendez-vous avec la plénitude de la vie par devant. Donc, je suis en train de vous montrer qu'un chrétien, allons dire que quand il passe par la porte, c'est un chrétien. Allons dire, pour donner une image du chrétien et du disciple. Mais quand il prend ce chemin, c'est le chemin de la croix.
Là, il est un disciple. Il n'est plus un simple. S'il est un chrétien, ça veut dire qu'il n'a pas commencé à marcher sur le chemin. Il n'est pas allé loin sur le chemin. Pourquoi ? Cela veut dire que peut-être, au lieu de renoncer à lui-même, il est en train de renoncer à la vérité. Qui comprend ? Donc, il ne grandit pas, il reste un chrétien, peut-être même un bon chrétien, mais il ne grandit pas comme un disciple. Parce qu'il n'a pas la révélation d'un chemin que la prédication de la croix montre. La prédication de la croix révèle le chemin de la croix que nous devons prendre et qui se resserre sur notre vie pour nous dépouiller. Pour nous dépouiller de tout ce qui pourrait encore nous faire tomber, tout ce qui pourrait encore nous éloigner de Dieu. Et le chrétien, le disciple du Seigneur, il comprend l'importance de la vérité. Sans elle, il ne sait pas ce qui lui arrivera par devant. Sans elle. Donc, aucun chrétien ne doit construire ou concevoir sa propre vérité. Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité. C'est lui la vérité. Et le Seigneur n'est pas confus quand il dit qu'il est la vérité. Cela veut dire que si tu connais le Seigneur selon sa vérité, tu le connais selon la même vérité, l'autre le connaît selon la même vérité, et nous sommes avec le même Seigneur. Si c'est des vérités différentes, Dieu n'est pas confus. Il n'a pas une vérité pour toi, une vérité pour l'autre, une vérité. S'il y avait plusieurs royaumes, s'il y avait plusieurs plans, il y aurait eu plusieurs vérités, une vérité adaptée pour celui-là, notre vérité. Non, il y a un plan. Il y a un seul Seigneur, nous dit l'apôtre Paul dans Éphésiens 4. Un seul Père, un seul baptême, une seule foi, une seule espérance. Donc il y a une seule vérité. Et normalement, un chrétien qui est au milieu du troupeau du Seigneur, il est là pour découvrir la vérité. Il n'est pas là pour amener sa vérité. Il doit découvrir la vérité. Et c'est ça le grand combat des chrétiens. Et c'est dû à un orgueil qu'on transporte avec nous. Soit un orgueil, soit parce qu'on a été blessé et que maintenant on se méfie des hommes. L'homme n'a rien à m'apporter, frère, j'ai le Saint-Esprit. Hein ? Qu'est-ce que l'homme ? Allons, on cite des versets de la Bible. Hein ? Malheur à l'homme qui se confie dans l'homme. Enfin, on dit beaucoup de choses. Mais tout ça, on utilise justement la parole de Dieu pour construire notre vérité. Mais maintenant, il y a des réactions qui sont à peu près normales quand les brebis ont été blessées. Mais Dieu ne change pas de vérité pour les brebis blessées. Mais il y a une vérité qui rendra libres les brebis, qui les guérira si elles sont blessées. Mais il n'y a pas de changement de plan pour quelqu'un qui est blessé. Il n'y a pas d'autre choix que de guérir. Et c'est là qu'il y a beaucoup de grâce qui accompagne la vérité pour permettre cela. Mais chaque chrétien doit avoir en vue qu'il y a une vérité. Et s'il saisit cette vérité, il aura la vie. Il a la garantie, l'assurance qu'il achèvera sa course, qu'il aura la vie du Seigneur, qu'il entrera dans les pâturages éternels du Seigneur. Alléluia. Et notre combat entre nous et nous-mêmes, c'est avec la vérité. Hein? C'est avec la vérité. Vous voyez? Et souvent, quand on ne veut pas trop de la vérité, on s'éloigne de l'Église. On s'éloigne de la vérité. On s'éloigne de l'Église, de ce que là où la vérité retentit. On a tendance à se retirer. On a peur d'entendre certaines choses. On se retire de la communion fraternelle, des relations de ceux qui ont un cœur pur, c'est-à-dire de ceux qui veulent servir à Dieu selon la vérité. On ne veut pas trop entendre.
Mais on a tort. On a tort. Parce que ça ne serait pas bon, 2 Thessaloniciens chapitre 2, il ne faudrait pas se retrouver dans ce qu'on va lire là. Si on est docile, on ne va pas se retrouver là. Mais là, regardez, verset 9, parle de l'apparition de l'Antichrist. L'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles, de signes, de prodiges mensongers, et avec toutes les séductions de l'iniquité. Pour ceux qui périssent parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Vous voyez ? Ils n'ont pas reçu, Paul ne dit pas seulement la vérité, mais l'amour de la vérité. Ils n'ont pas vu l'amour de Dieu dans la vérité pour eux. Ils n'ont pas accepté ce genre d'amour. L'amour qui amène la vérité. Aussi, Dieu leur envoie-t-il une puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonge, afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir à l'injustice, soient condamnés. Non, moi je ne sais pas jusqu'à quel point des chrétiens rétrogrades ou des chrétiens obstinés peuvent se retrouver dans cette condition, je ne sais pas. Je lis ce que je vois et je l'interprète avec une certaine crainte. Hein ? Parce que la Bible me dit que le jugement commencera par la maison de Dieu. D'accord ? Le jugement, il vient pour ceux qui obéissent à l'injustice, qui ne reçoivent pas l'amour de la vérité et qui obéissent à l'injustice. Ils ne laissent pas la vérité corriger leur vie, amener une correction dans leur vie, un changement. Ils s'obstinent à la rejeter. Moi, je ne sais pas qu'est-ce qui peut arriver à un chrétien qui se comporte comme cela. Mais je vois que c'est écrit que ceux qui ne reçoivent pas l'amour de la vérité, qui ne croient pas à la vérité, qui prennent plaisir à l'injustice, eh bien Dieu va envoyer une puissance d'égarement à un certain moment. Ok ? C'est pour vous montrer que la vérité joue un rôle tellement important qu'on doit toujours se recaler sur elle. Parce qu'on peut quelque part être bousculé, être travaillé, être sentir un petit peu de rébellion là, mais on doit toujours revenir à la vérité. Et quand la vérité revient vers nous, on doit s'humilier, se repentir, redresser notre cœur. Parce qu'elle a raison, la vérité. Et que j'apprenne à être humble pour l'écouter, pour la recevoir. Que je discerne l'amour de Dieu qui est dedans. Que je discerne ça. Dieu m'aime au point qu'il me fait grâce d'entendre la vérité. Vous savez, c'est une grâce que d'entendre la vérité. C'est la preuve vraiment que Dieu est concerné par ma vie. Quand j'entends la vérité, mais souvent c'est interprété autrement. Quand quelqu'un entend la vérité, il trouve que cette vérité est trop dure et il rejette cette vérité. Au lieu de la considérer dans le brisement, dans l'humiliation, hein, il rejette cette vérité, il n'en veut pas, il est têtu. Quel amour veux-tu que Dieu manifeste envers toi quand tu es déjà sauvé, tu as déjà goûté à l'amour de Dieu? Quand tu as goûté à l'amour de Dieu pour devenir un enfant de Dieu, tu dois goûter maintenant à l'amour de la vérité. Et l'amour de la vérité, c'est la correction du Père Céleste, du Seigneur. Un chrétien doit être exercé à la correction. Dans le chemin, le berger l'accompagne avec la houlette et le bâton.
La houlette, c'était ce genre de... Il y avait un crochet, c'était pour attraper la brebis par sa patte, pour tirer sur elle lorsqu'elle s'éloignait. Lorsqu'elle s'écartait un peu du troupeau, le berger veillait, il attrapait, il était habile pour attraper la patte arrière de la brebis et la tirer et la ramener. Ou bien il l'attrapait pour la mettre à part, pour la soigner. Mais il faut se laisser attraper. Il faut se laisser attraper. Pourquoi on ne veut pas être attrapé, nous? On est une brebis ou on n'est pas une brebis? Et il y a des chrétiens qui s'arrangent pour ne jamais être attrapés. Qui vivent leur vie dans l'indépendance. Qui peuvent être là, ils s'arrangent pour être en plein au milieu du troupeau. Mais ils ne réalisent pas qu'ils transportent des plaies, ils transportent des poux. Comprenez, je parle des brebis naturelles, je ne parle pas de vous, hein. Transportent des maladies, ils ont besoin d'être soignés. Les frères et les sœurs, il faut laisser le berger, par la vérité, nous attraper. Avec grâce. Il faut être une brebis quand le berger t'appelle. Tu ne t'arranges pas, tu ne fais pas comme si tu n'entends pas. Il faut être une brebis qui, lorsque tu n'entends plus la voix du berger, tu ne fais pas comme si tu l'entends parce que tu as ta Bible. C'est pourquoi au milieu du troupeau de Dieu, les brebis doivent être connues des bergers. Et parfois, le berger, il a du mal à prendre cette houlette-là et à tirer comme ça. La brebis ne veut pas. Et le berger avait ce bâton aussi sur lequel il s'appuyait. Parce que les bergers, c'est aussi comme les brebis. Ça se fatigue, ça s'épuise. Et en même temps, le bâton servait à éloigner les loups. Tout ça pour protéger la brebis. Mais il y a une part que la brebis doit jouer. Elle doit accepter que la vérité, la houlette de la vérité l'attrape. Et que c'est le moment pour te soigner. C'est le moment d'entendre certaines choses pour ta vie. Pas d'entendre le message dans l'église comme ça. C'est le moment où Dieu veut te parler de certaines choses. Donc, il faut aimer l'amour de la vérité. L'amour de Dieu manifesté par la vérité. Il faut l'aimer. Elle est salutaire. Parce que lorsqu'on est soigné, on est soigné pour avoir la vie. Quand on a la vie, on est bien. Parce que le bon berger est venu pour donner sa vie. Quand il nous soigne et il nous donne sa vie. Il met à mort des choses dans notre vie. Il met à mort certaines plaies. Il détruit ce qu'il y a dedans. Il amène la mort dedans et la vie. Parce que le bon berger, il est venu donner sa vie. Mes frères et mes sœurs, il n'y a pas beaucoup de brebis qui comprennent cela, qui acceptent cela pour avoir la vie. Il n'y a pas beaucoup. Faut-il aussi, et c'est vrai, que les bergers aussi, ils veulent s'occuper des brebis? C'est clair qu'ils sont concernés par les brebis et qu'ils ont la vérité pour les brebis. Il ne faut pas qu'ils soient des mercenaires. Des gens payés pour une tâche. Que Jésus dit dans Jean, quand le loup vient, il n'est plus là. Il n'est pas là. Si on retourne dans Matthieu chapitre 7, on va voir un danger qui menace la brebis qui ne reçoit pas l'amour de la vérité pour être sauvée. On est déjà sauvé, d'accord? On a la vie éternelle.
Le point qu'on a besoin de comprendre, c'est qu'on est sauvé, mais on doit garder notre salut. On ne peut pas se laisser aller à vivre une vie qui ne plaît pas à Dieu, à être rebelle, à rejeter la vérité et à vouloir entrer dans la vie et dans le royaume. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens selon la parole de Dieu. C'est pourquoi la parole de Dieu est remplie d'avertissements pour les chrétiens. Sinon, les avertissements eux-mêmes n'ont pas de sens. Ce n'est pas dans des vues terrestres, ce n'est pas à cause de notre vie terrestre, de notre confort terrestre que Dieu nous avertit. Ce n'est pas seulement pour que les malheurs ne nous atteignent pas sur la terre. Mais le pire de tous, c'est l'éloignement éternel de Dieu. C'est ça le grand avertissement que Dieu donne. Pourquoi ? Parce que la grande promesse que Dieu donne, c'est la vie éternelle. Donc la plus grande menace, c'est d'être privé de cette vie éternelle. Dieu ne veut pas nous instruire seulement, ou c'est même pas pour ça, l'instruction de Dieu ne nous enseigne pas à vivre une petite vie pépère. Vous connaissez la vie pépère ? Au contraire, l'enseignement chrétien, c'est apprendre à souffrir avec Christ pour hériter le royaume. D'accord ? Donc il y a un danger qui menace. Le verset 15, après que Jésus parle du chemin resserré qui mène à la vie, et il dit qu'il y en a peu qui les trouvent. Pourquoi il y en a peu qui les trouvent ? Où est l'autre problème ? Gardez-vous des faux prophètes. Hein ? Ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. Waouh ! Ça, c'est un danger pour celui qui a pris le chemin, qui veut prendre le chemin. Il doit faire attention parce que ces gens-là existent. Les faux prophètes qui transforment le chemin resserré du Seigneur en chemin large, qui te dit que Dieu comprend. Au lieu que ce soit un chemin qui t'appelle à la repentance, à renoncer, eux, les faux prophètes, ils ont un langage de « c'est pas grave ». Parfois même, ils tirent profit, pourvu que tu apportes tes offrandes à l'Église. Pourvu que tu donnes beaucoup. Si tu fais ça, c'est OK, Dieu te comprend. Ce n'est pas dit littéralement comme ça, mais au bout du compte, c'est l'interprétation qu'il faut en retirer. Mais non. Mais les brebis qui luttent avec la vérité, ils auront tendance à écouter les faux prophètes. Vous comprenez ça ? Moi, je vous dis, les frères et sœurs, qu'un chrétien qui lutte avec la vérité, il a tendance à aller chercher sa vérité. Ah oui ! Il a tendance à aller chercher la vérité qui ne le dérange pas. Oui ? Ce qui veut dire qu'il veut chercher sa vérité chez quelqu'un d'autre. Et les faux prophètes ont cette vérité. C'est dangereux de lutter contre la vérité du Seigneur. Si on ne cède pas ce que l'on garde, qu'on ne veut pas céder, dont on ne veut pas se dépouiller, ça peut nous perdre. Parce que ce qu'on ne veut pas perdre, c'est la petite porte par laquelle le faux prophète arrive à trouver une petite place pour te convaincre de son évangile. Comprends ça ? C'est sérieux, les frères et sœurs. C'est sérieux. Ils viennent à vous en vêtements de brebis. Hein, il ne faut pas croire. Hein. C'est pourquoi la brebis qui est naïve, quand vous êtes une brebis naïve, c'est-à-dire vous croyez n'importe quoi, et quand vous avez une notion de l'amour qui n'est pas l'amour de la vérité,
Mais pour vous, l'amour est représenté dans un personnage qui a des paroles douces, qui vous comprend, qui vous accueille, qui, lorsque ceux qui sont dans la vérité vous résistent, eux, ils vous accueillent. Comprenez? Hein? Lorsque ceux qui sont dans la vérité te disent, « Eh ben non, mon frère, tu ne peux pas vivre comme ça. Tu ne peux pas vivre avec une femme si tu n'es pas marié. » Ouais, la brebis qui trouve que ce n'est pas juste, que c'est trop dur, réaliste, c'est pas l'amour de Dieu, ça, parce que Dieu est pécheur. Enfin, qu'est-ce qu'on ne dit pas? Eh bien, il va aller chercher le faux prophète qui lui dira, « Mais où est le problème ? Où est le problème ? Mon frère, viens, mon frère. » Et cette brebis ne sait pas que c'est un loup. Que c'est un loup. C'est pourquoi cette notion de l'amour qui est émotionnelle, ça doit nous quitter. Faible, on lui amène. Hein. C'est peut-être le masque. Cette notion de l'amour qui est émotionnelle, cette notion de l'amour qui repose sur combien de fois tu me dis bonjour, combien de fois tu m'embrasses, combien de fois tu me regardes, si on se croise en ville, je t'ai fait coucou, est-ce que tu as fait coucou? Si on se croise là, est-ce que tu t'es arrêté, tu t'es pas arrêté? Est-ce que c'est basé sur ça? C'est pas basé sur la vérité. Quand celui qui ne te fait pas coucou te dit la vérité, c'est ça l'amour de Dieu pour toi. Il faut que ça nous quitte, cet amour émotionnel, cette demande qu'on met sur l'Église, sur le peuple de Dieu. L'amour qui demande des autres qu'ils fassent des choses pour nous, ce n'est pas l'amour. L'amour qui doit nous visiter, qu'on doit désirer vivre, c'est l'amour de la vérité entre nous. L'amour qu'on doit désirer, c'est l'amour qui nous amène la vérité avec grâce, bien sûr. Pas pour nous détruire. Alléluia. Mais nous, on n'aime pas cet amour-là. Non. Et les brebis, il y a beaucoup de brebis qui, malheureusement, parce que Jésus a dit, il y en a peu qui trouvent le chemin. Hein. C'est pourquoi je dis, il y a beaucoup de brebis qui s'égarent. Parce qu'il y en a peu qui acceptent l'amour de la vérité. Donc, il y a beaucoup de brebis qui s'égarent parce qu'elles n'ont pas compris et n'ont pas accepté ce que c'est que l'amour de Dieu. Et ça devient un piège. Ça nous tend un piège. En plus, Jésus dit, vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Encore faut-il qu'on ne soit pas aveugle. Mais ceux qui ont la lumière de la vérité, ils reconnaissent. Ils voient les fruits. Ils le ressentent par le Saint-Esprit ou ils ont le témoignage. Ils ont suffisamment d'indications pour comprendre ce qui se passe. Les frères et sœurs, c'est un temps pour nous de nous protéger, parce que c'est le temps où les faux prophètes, les faux docteurs, les faux apôtres vont émerger dans les nations. Avant que Jésus enlève l'Église, ça va être comme un filet. Moi, je vous exhorte, ne fuyez pas la vérité. Si elle vous fait mal, bénissez le Seigneur. Alléluia. Hein? Je crois qu'il y a des psalmistes qui dit que le juste me frappe, c'est de l'huile sur ma tête. Quand le juste me frappe, parce qu'il me dit la vérité. C'est me frappe parce qu'il me dit la vérité. Me secoue. Je prends une gifle. C'est de l'huile sur ma tête. C'est de l'huile quand je m'humilie. Quand je m'humilie. Quand je résiste, je n'ai pas de l'huile sur ma tête. Le péché prend le dessus. Les sentiments amers prennent le dessus. Mais quand je m'humilie pour comprendre la vérité qui anime le juste, pour moi, pour m'aider, pour me sauver, pour que je ne m'égare pas, c'est de l'huile sur ma tête.
Hein? Les frères et les sœurs. Le chemin se resserre. C'est pourquoi ces derniers temps, on parle. On parle de beaucoup de choses dont on ne parlait pas trop. Mais c'est le temps d'en parler. On parle du foyer. On parle plus trop en général. On parle bien. C'est quoi un foyer? C'est quoi le mari? C'est quoi la femme? On parle aux jeunes. On montre à tout le monde. Voilà c'est quoi le plan de Dieu pour chacun, pour former la maison chrétienne, la famille chrétienne, dans l'église chrétienne. Le chemin se resserre. Ça demande de l'obéissance parce que ça ne nous vole pas la liberté, le chemin resserré. Ça demande l'obéissance. Quand le chemin se resserre, cela ne nous prend pas notre liberté. Cela nous laisse libres, comme nous avons été libres depuis le départ. Mais le chemin est resserré, ça demande de nous plus d'obéissance. Parce que là, on est plus confronté. Là, on a plus de choses à remettre en question. Là, on doit arrêter notre folie, là. La chose que Dieu, sur laquelle Dieu nous parle depuis des années, là, il faut se repentir, là. Il faut arrêter, là. Ça ne passe plus. Ça devient dangereux, là. Dieu sait. Et Dieu parle de points pour nous perfectionner, pour qu'on reste dans le chemin resserré. Parce qu'il veut partager la vie avec nous. Alléluia. Vous dites quoi, vous, les frères et sœurs? Hein? Comment voyez-vous ça, vous? C'est bien d'avoir l'assurance de la vie éternelle, c'est formidable. Il faut porter dans notre cœur cette assurance, cette joie et de savoir, c'est vrai, je suis sauvé. Mais c'est tout aussi important d'avoir la crainte de Dieu, parce que c'est tellement précieux que je ne dois pas me laisser aller avec cette joie du salut, à ne jamais accepter la correction, à ne pas laisser la vérité travailler ma vie et à n'être fixé que sur mon salut. Hein? Je suis un enfant de Dieu et cela me rend distrait par rapport à la vérité, c'est dangereux. Frères et sœurs, la vérité c'est important. Parce qu'elle nettoie en profondeur. Vous voyez la vérité? Elle n'a pas de limite pour nettoyer notre vie. La vérité. Les traditions humaines, les pseudo-vérités, les trucs qui sont mélangés, ça peut effleurer un deux points dans votre vie, mais ça n'ira pas vous changer comme la vérité peut vous changer. Je veux vous encourager ce matin, vous exhorter à rester attaché à la vérité, à renoncer au mensonge. Vous savez que Paul le dit dans Éphésiens chapitre 4, verset 20. Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ. Si du moins vous l'avez entendu, et si conformément à la vérité qui est en Jésus. Hein? Vous voyez comment il met ça là? Conformément à la vérité. On ne peut pas faire... On ne peut pas vivre ça comme on veut. Conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est en lui que vous avez été instruits à vous dépouiller. Ça, c'est le fondement de la vérité pour un chrétien. Vous avez été instruits. Non, mais regardez bien ce qu'il dit. Il dit, vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ. Vous devenez chrétien, vous apprenez Christ, vous cherchez à le connaître.
qu'est-ce qu'il vous révèle et qu'est-ce qu'il fait en vous et qu'est-ce que vous êtes appelé à expérimenter quand vous apprenez Christ, quand vous le connaissez. Qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui doit se passer conformément à la vérité? Si c'est la vérité, ce qui doit se passer, c'est le dépouillement. Vous êtes instruits à vous dépouiller. C'est ça la vie chrétienne. C'est ça la vérité qui est en Christ. Un chrétien qui ne vit pas ça, il est en train de s'égarer. Il s'égare. Se dépouiller quand Dieu parle. Et qu'est-ce qui nous amène à nous dépouiller? Eh bien, la vérité. La vérité nous déclare des choses qui ne sont pas conformes à la volonté de Dieu. Pour notre vie. Elle proclame, elle dit clairement les choses que Dieu condamne. On n'aime pas quand Dieu condamne des choses parce qu'on a la petite idée à l'arrière que Dieu ne condamne pas tant que ça, que Dieu comprend. Vous comprenez, c'est tout le même cirque. On ne va pas retourner dans la même thérapie. Mais c'est le même truc qui revient. Mais Dieu condamne des choses. Hello. Un chrétien qui aime le monde. Un chrétien qui aime le monde. Qu'est-ce que Jacques dit? Qu'est-ce que la parole de Dieu dit? Qu'est-ce que la vérité dit? Que ceux qui aiment le monde se font ennemis de Dieu. Oh! Ah ben là, c'est un choc. Comment, moi, enfant de Dieu, je peux être ennemi de Dieu? Ah ben, c'est ce que la Bible dit. Je ne sais pas. Va demander des explications. Mais c'est ce que la parole de Dieu me dit. Aimer le monde, c'est devenir ennemi de Dieu. Jean dit, celui qui aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Mais comment on peut rêver que l'amour de Dieu demeure en nous quand on aime le monde, on aime le monde, on vit dans les plaisirs, et là, on a au moins un cantique qui touche nos émotions pour nous faire croire que, ah, Dieu m'aime. Non. C'est ce que la vérité dit qui tranche. Et la vérité vient avec la grâce. Il ne faut jamais oublier ça. Pas pour nous condamner, mais la vérité vient avec la grâce. Mais la vérité reste la vérité. Vous comprenez? Si quelqu'un est dans le péché et il est averti et discipliné, la vérité ne vient pas lui dire, ben écoute, ok, on... Non, la vérité reste la vérité. Mais la grâce est là, c'est le cœur de Dieu pour le convaincre, pour l'aider à sortir de là, pour autant qu'il veuille sortir, qu'il veut être obéissant à la vérité. La grâce est là pour l'aider. Mais s'il ne veut pas sortir, il n'y a pas une autre vérité qui vient à un certain moment. On ne sait pas d'où ça vient. Ou plutôt, on peut le comprendre. Ça arrive pour lui dire, « Eh ben, tu sais, j'ai une bonne nouvelle pour toi. C'est en lui que vous avez été instruit à vous dépouiller par rapport à votre vie passée. Du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses. » Donc la vérité, s'il y a une chose sur laquelle la vérité vient cogner, c'est tout ce qui engendre la convoitise. Et ça aussi, c'est un côté... qu'on n'aime pas, quoi. On a le droit d'aimer, on a le droit à ceci, oui, on a le droit, tout est permis, nous dit l'apôtre Paul. Mais la vérité travaille comme ça. À être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence et à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu, dans une justice et une sainteté que produit... Que produit quoi? La vérité. Est-ce que la justice et la sainteté peuvent être produites sans la vérité? Donc, pourquoi est-ce qu'il y a tant de luttes qui demeurent pendant tant d'années, pendant tant de temps, souvent, c'est peut-être parce qu'il y a une résistance à la vérité, et la vérité ne peut pas produire la sainteté. Obéis à la vérité, marche dans le chemin. Ça fait combien de temps que Dieu te parle concernant certaines choses qui ne sont pas droites dans ta vie?
et que tu résistes. Mais c'est normal que tu restes dans ton état, parce que si tu rejettes la vérité, c'est elle qui va te sanctifier. D'ailleurs, Jésus l'a dit dans Jean chapitre 17, « Ta parole est la vérité, sanctifie-les par ta parole. Père, ta parole est la vérité. » Verset 29, « C'est pourquoi renoncez au mensonge et que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain, quand nous sommes membres les uns des autres. » Qu'est-ce qu'il est en train de dire? Parler selon la vérité, c'est quoi? C'est parler selon la révélation de l'Évangile, de la parole de Dieu. C'est de s'exhorter dans la vérité. C'est qu'il n'y ait pas de petites relations dans l'Église où on comprend certaines personnes, où on tolère. Il y a de la grâce, mais il doit y avoir une attitude que la parole de Dieu nous décrit, que si un frère, quelqu'un se nommant frère, vit dans le péché, il est outrageux, il est calomniateur, il est impudique, et il est même cupide. Paul dit, n'ayez pas de relation avec lui. Qui dit ça? C'est le prédicateur qui dit ça? Oh non, c'est trop dur. Oh ben, dis à Dieu que c'est trop dur, sa parole. Dis-lui, va lui dire. Parce que c'est sa parole, ça. Donc, dans l'Église, on doit renoncer au mensonge. Et quand quelqu'un vient avec un mensonge, on doit lui dire, non, mon frère, ça, c'est pas vrai, ça. C'est pas la vérité, ça. La vérité, c'est que réellement, tu dois te repentir, tu dois changer, il y a ceci, il y a cela, mets de l'ordre et tout, on aide les gens. Mais on n'est pas là, nous aussi, comme des petits loups. On se comporte comme des brebis, comme des disciples. On renonce au mensonge dans nos relations, parce qu'il est dit « quand nous sommes membres les uns des autres ». Ça parle de nos relations, ça. On parle selon la vérité. Selon la vérité, selon l'Évangile. Pas selon la vérité. Allez, dis-moi la vérité, d'où tu sors? J'ai été faire un tour en ville. Dis la vérité. Non, ben, elle n'est pas vraie. Mais sorte de... C'est pas de ça qu'il parle. Il n'est pas en train de parler de cette vérité-là, là. Bien sûr qu'il ne faut pas mentir. Mais ce n'est pas de ça qu'il parle. Il parle de la vérité de l'Évangile. Pourquoi un chrétien doit être équipé de la vérité? C'est pourquoi Dieu a fait don à l'Église des ministres. Des apôtres, des prophètes, des pasteurs, et il a donné, il équipe les anciens, et il y a une équipe qui est équipée. Une équipe qui est équipée. Hein? C'est bien, parce que l'équipe, elle est faite pour être équipée. Hein? Elle est équipée pour propager la vérité dans l'Église, pour faire que la vérité se tient entre les relations, et on veille qu'il n'y ait pas de loup qui prenne quelqu'un. Mais on n'organise pas notre petite vie avec quelqu'un, avec notre manière de penser, notre tolérance. Jamais. Jamais, jamais, jamais. Tu es prêt, toi, à te tenir devant le trône de Dieu un jour pour rendre des comptes? Ça, c'est les anciens qui se tiendront. Qui ont appelé à rendre compte pour les brebis. Personne ici, à part les anciens. Chacun rendra compte pour lui-même, par contre. Donc, les frères et les sœurs, il faut être des défenseurs de la vérité. Il faut la connaître, cette vérité. Et il faut combattre pour elle. Il faut la défendre même jusqu'au sang. La défendre. Non. Non, et un non, c'est un non. Non à l'erreur, non au mensonge. Non, mon frère, tu ne gagneras pas dans les émotions. Non, je t'aime bien, on est de bons amis. Mais là-dessus, non, je ne peux pas m'accorder avec toi. Je ne peux pas, parce que ma priorité, c'est que mon âme soit sauvée. Ah ben c'est bien joli que je te sauve de l'eau et que moi je me noie. Ah, quelle action extraordinaire! Non, moi je veux sauver mon âme, moi. Ah oui, moi je veux sauver mon âme, je ne veux pas la perdre à cause de toi. Ah non, non, non. Donc moi je veux rester droit avec la vérité, et je t'exhorte selon la vérité, et même si ça me fait mal, mais je dois te dire la vérité, je renonce au mensonge. C'est comme ça que Paul a dit. Il a dit à Timothée,
en agissant ainsi, tu te sauveras toi-même et tu sauveras ceux qui t'écoutent. Tu sauveras ceux qui t'écoutent. Vous savez, dans l'Épître à Timothée, il y a, c'est tout un livre, une épître de recommandations pour la maison de Dieu. Celui qui veut être dans la maison de Dieu, dans le troupeau de Dieu, dans la maison de Dieu. Paul a donné des recommandations pour les femmes, pour les enfants, pour les jeunes, pour les personnes âgées. Pour tout. Et il a dit à Timothée, demeure dans les choses que tu as apprises et sachant de qui tu les as apprises. Et reprends avec une pleine autorité. Parle en agissant ainsi. Reste avec la parole de Dieu. Équipe-toi de la révélation des Écritures. Équipe-toi pour parler de manière à te sauver toi-même et à sauver ceux qui t'écoutent. C'est ça l'Église. Qui veut de cette Église? On veut de cette Église ou on veut quoi? On veut d'un temple ou on veut d'une cabane? Mes frères, priez pour nous que Dieu nous donne le zèle de toujours rester ferme pour la vérité, quitte à être critiqué, à être persécuté, à être rejeté, mais qu'on garde cette fierté, cet honneur, nous les serviteurs de Dieu, de proclamer la vérité. Et que vous, vous trouviez un honneur, un point d'honneur à vous associer, à ne pas vous rebeller. Parce que la Bible dit « Obéissez à vos conducteurs ». Sans quoi, ça serait dommage pour vous. En gros, il dit ça. Qu'ils le fassent, non en gémissant, ce qui ne vous serait d'aucun avantage. Aujourd'hui, pour que l'œuvre de Dieu aille plus loin, on a besoin d'une Église qui s'associe avec la vérité, pas dans les émotions avec des hommes de Dieu. On n'a pas besoin de choses émotionnelles avec le peuple de Dieu. Ça ne veut pas dire qu'on est une église sans émotion. On est froid. On est armé. Si on nous dit tire. On ne regarde pas qui est devant. On n'est pas comme ça. Mais on n'est pas dans les émotions. On n'a pas besoin de relations émotionnelles entre nous. Viens pas construire une relation émotionnelle avec un serviteur de Dieu. Tu vas être une occasion de chute pour lui et pour toi. Il faut que la vérité règne au milieu de nous. Qui est un gros amen à ça? Et qu'on défende la vérité, parce que le monde attend, les gens du dehors attendent, les gens qui sont prisonniers de fausses doctrines, les chrétiens qui souffrent, les brebis qui sont blessés, qui sont égarés, ont besoin de la vérité pour les guérir, pour les restaurer. Et la Bible dit que la maison de Dieu, c'est la colonne et l'appui de la vérité. Sans elle, il n'y a pas de vérité, il n'y a que quelques hommes qui prêchent. Et qui n'ont pas de force pour faire valoir la vérité. Parce que l'Église, dans sa manière de vivre, pour la vérité, elle est la colonne et l'appui de la vérité. Jusqu'à quand on va traîner, peuple de Dieu? Ouvrons notre cœur, comprenons. Devenons cette maison de Dieu réveillée. Laissons Dieu nous saisir, nous faire entendre sa voix. Que l'Évangile pénètre notre cœur. Et qu'on se tienne dans la vérité. Et vous savez, la vérité, ce que ça va faire, ça va amener la paix dans l'Église. Ça va être une bombe nucléaire, mais efficace. Ça fait voler toutes les barrières et toutes les histoires, ça nettoie. Et la paix s'installe. Vouf, le champignon retombe. Mais ce n'est pas les radiations. La paix. Il n'y a plus les histoires, il n'y a plus les commérages. Il y a la vérité. Parce que là où il y a la vérité, il n'y a pas de commérage, il n'y a pas d'histoire. Là où il y a la vérité, il y a repens-toi et pardonne. Hein? La maison de Dieu est édifiée, elle peut être édifiée sur cette base-là. Alléluia! Les frères, je vous assure que le frère Mickey, il brûle dans son cœur d'avoir des églises comme ça. Qui défendent la vérité, qui défendent l'Évangile avec leur vie, qui sont des combattants. Donc, voilà ce que je voulais partager avec vous. En gros, il y a beaucoup de choses que je vous ai dites que je ne peux pas vous dire, c'est ce que je voulais vous dire. C'est venu, l'Esprit de Dieu même vous parle.
Mais je voulais parler de cette vérité. Croyez-moi, ne jouez pas, hein. Positionnez-vous pour elle. Positionnez-vous pour elle. Hein? Vous savez, dans la Bible, quand on dit en vérité, vous savez ce que ça veut dire en vérité? Hein? Ça veut dire Amen, Amen. Et ça a été traduit en vérité. Mais dans l'original, c'est Amen, Amen. Quand Jésus dit Amen, Amen. Ben, si tu dis Amen, tu dis Amen à la vérité. C'est traduit en vérité. Tu t'accordes avec la vérité. Sinon, arrête de dire Amen. Donc, tu as dit Amen, là, donc tu es d'accord. Non, mais je dis ça, ça paraît sévère ce que je suis en train de dire. Mais mes frères, on ne va pas passer encore 10 ans avec le message de la croix. On a besoin d'y aller, là. On va garder le message de la croix. Attention, parce que c'est ce que je viens de dire. Hein. Je veux dire, garder le message de la croix et continuer, et on continue, on continue. On met en pratique. Alléluia. OK, OK. OK, OK, bonnes gens. La version, c'est oyez, oyez, bonnes gens. Ça veut dire écoutez, écoutez. Entendez. Allons chercher le Seigneur. Allons glorifier Jésus. Hein? Vous n'aimez pas, vous, chez vous? Quand la maison est propre? Qui c'est qui aime vivre dans une maison sale? Ouais, il y a des gens qui s'habituent. On s'habitue à la saleté, hein? Mais quand il y a un bon nettoyage, on respire dans une maison propre, non? C'est agréable, quoi. L'église, quand elle est propre, spirituellement, il n'y a pas de microbes qui circulent spirituellement. Alléluia. La gloire de Dieu vient quand on va adorer le Seigneur ensemble. S'il y a des épreuves, il y a des afflictions, la consolation sera tellement forte qu'on aura la grâce de passer le chemin difficile. Mais ce qui manque de tout ça, c'est peut-être un manque d'identification à la croix, d'obéissance à la vérité. Obéissons à la vérité. Dieu lui-même fera des choses étonnantes. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. C'est l'évangile que nous voulons, non? C'est ce que vous voulez? J'espère que vous ne le dites pas comme des moutons de panurge, mais parce que vous avez une lumière, parce que vous aimez le message. Moi, je n'ai pas de doute qu'il y a beaucoup de gens ici, pour ne pas dire tous, allons dire. Je n'ai pas de doute que vous aimez le message. Mais ce n'est pas aimer le message, c'est aimer l'amour de la vérité. Ce n'est pas juste avoir le témoignage. Ben c'est ça même ça. Dieu me témoigne que c'est ça. S'il te témoigne que c'est ça, vis-le. Hein? Je disais aux frères hier, les soeurs, ça va? Vous êtes contents de vos maris qui ont passé un moment avec nous? Hein? Les maris, ils ont eu un bon moment hier. Je disais au mari, ben, l'église, c'est pas un hôpital, on se rend à l'hôpital, on est malade, on s'assoit dans la salle d'attente, et là on se sent bien. On est à l'hôpital, quoi. Hein? Ah, c'est bien ici, hein, c'est l'hôpital. Il y a les docteurs, il y a les spécialistes, il y a... Là, il y a ce qu'il faut. Et ben, on passe combien de temps dans l'hôpital? Ça coûte cher, ça. Dans la salle d'attente, pas trop. Mais l'église, c'est pas pour qu'on y est et qu'on est là. On fait le point avec les docteurs, avec les spécialistes, les infirmières qui sont gentilles. C'est pas pour ça, l'hôpital. L'hôpital, c'est pour guérir les gens. C'est pour traiter leur maladie. Donc, il y a un moment, il faut rentrer dans le bureau du médecin. Il y a un moment, quand la secrétaire t'appelle, dit « Monsieur un tel, il reste pas là sur sa place » et il dit « Non, ça va. Ben, » vous avez pris rendez-vous. « Non, moi, ça va. Tout va bien pour moi. C'est OK, je suis content d'être là. Déjà, c'est bien d'être là. » Non, mais il y a un problème, non? Elle va se faire prendre un rendez-vous chez le psychiatre, cette personne. Ah ben, les chrétiens, pareil, il est dans l'église. Ça va. Non, ça va. Oui, ça va. Ça va, toi? Moi, ça va. Mais à l'église, on traite. Notre vie doit être traitée. Mais il faut de l'humilité.
Il faut comprendre ce que c'est que l'Église. Hein ? C'est bon ma parabole ? Ça vous plaît ? Je suis sûr que ça vous plaît, ça vous parle. Hein ? Allez donc, il faut arrêter toutes ces attitudes-là et comprendre c'est quoi l'Église. Alléluia. Gloire à Jésus. Seigneur, nous te bénissons ce matin. Nous bénissons ton nom. Tu es puissant. Tu as établi toutes choses par ta vérité pour que ta parole agisse puissamment dans nos vies, pour que le Saint-Esprit ait un ministère puissant et efficace en nous, pour nous libérer. Oui, Seigneur, pour renverser nos forteresses, nos raisonnements dans lesquels nous sommes piégés, prisonniers. Tu veux nous libérer, Seigneur. Combien nous te sommes reconnaissants. Ta grâce est là ce matin. Nous sommes ton peuple. Tu nous as appelés. Nous manquons de lumière, mais tu nous éclaires. Je prie, Seigneur, que ta lumière vienne. Que ce peuple qui se tient là devant toi comprenne ton plan. Qu'il y ait une révélation. Et qu'il y ait une repentance pour abandonner les mauvaises attitudes. Qu'ils comprennent le plan que tu as pour eux. Je prie dans le nom de Jésus. Je prie pour un esprit de révélation dans ta connaissance. Je prie que lorsque le message sera de plus en plus annoncé, que nous ne soyons pas des auditeurs oublieux, mais qu'on puisse transmettre le message pour nous défier, pour nous briser. Que nous sortions des réunions avec un esprit de repentance, nous remettant en question, considérant que tu nous parles. Oui, Seigneur, accomplis cette œuvre dans nos vies. Accomplis cette œuvre au milieu de ton peuple qui est là. Je prie au nom de Jésus. Je prie, Seigneur, que ta grâce se manifeste. Que ta grâce se manifeste. Que celui qui s'approche de toi ce matin et qui s'associe à ta parole, tu vois son cœur, Seigneur, là où il est. Seigneur, aide-le, soutiens-le. Soutiens-le. Que ton nom soit béni pour ta fidélité. Pour ta fidélité. Que ton peuple sache, Seigneur, que nous annonçons la vérité. Seigneur, qu'il n'y ait pas de doute. Confirme ta parole dans le cœur et la vie de ton peuple. Alors qu'il se met à obéir, qu'il n'y ait aucun doute que c'est la vérité. Qu'il y ait des miracles qui se fassent. Des libérations. La liberté dans les cœurs. Que les chaînes tombent. Seigneur, nous te bénissons ce matin. Nous te bénissons. Allons chanter, allons adorer le Seigneur. Conduis-moi, ô Seigneur. Oui, Seigneur. Ô Seigneur, dans ta vie.
se soumettent à ta volonté, nom de mon être, inonde mon être à ta plénitude. Jésus, quelle grâce pour nous encore ce matin, Seigneur, d'entendre ta parole qui nous rend libres, d'entendre ta parole, Seigneur, qui descend au plus profond de notre cœur pour renverser les forteresses, les raisonnements, les pensées qui nous éprouvent, Seigneur, pour nous emmener à soumettre notre vie à ta parole, à ta vérité. C'est pour cela, ce matin encore, nous sommes reconnaissants. Oui, Seigneur, reconnaissants pour ta grâce, pour ta parole. Bien que cela nous défie ce matin, bien que des choses secrètes dans notre vie à laquelle nous nous tenons et qui sont des pièges pour nous, Seigneur, tu nous touches. Nous sommes brisés, mais tu nous libères. Nous sommes brisés dans notre cœur, mais nous reconnaissons c'est ta vérité. C'est pourquoi ce matin encore, nous te disons merci. Merci pour ta grâce. Merci pour la révélation de ta parole qui vient dans notre cœur ce matin. Et Seigneur, au milieu de nous ce matin, beaucoup sont affranchis. Beaucoup sont relevés ce matin. Tous ceux qui l'entendent sont visités par toi ce matin. Tous ceux qui l'écoutent réalise, Seigneur, que les chaînes de leur vie sont en train d'être brisées. Car ta parole libère, ta parole rend libre. Combien nous te louons ce matin. Combien nous te remercions pour tout ce que tu vas faire. Seigneur, merci. Merci pour cette matinée que tu nous as donnée. Une matinée de libération. Une matinée de restauration. Une matinée, Seigneur, où dans notre cœur, ta lumière se levait et où nous sommes encouragés. Merci pour ta grâce. Merci pour ta grâce. Merci pour tout ce que tu feras encore, Seigneur, dans les jours qui viennent dans notre vie. Car ta parole est vivante. Elle est efficace, plus tranchante qu'une épée, Seigneur, pour venir séparer ce qui est de nous-mêmes et ce qui est de ton esprit. Oh, merci, Alléluia. Mon Dieu. Merci pour ta grâce. À toi la gloire, Jésus. Nous allons prendre le repas du Seigneur ensemble ce matin, frères et sœurs. Hein, pour que là encore, nous puissions être fortifiés. Et comme l'apôtre Paul nous dit que chacun s'examine. C'est un moment important pour nous, frères et sœurs. Nous avons entendu l'Évangile. L'Évangile a touché notre cœur. L'Évangile nous a éclairés. Et que pendant que nous allons prendre le repas du Seigneur, nous puissions nous examiner. Regardez notre cœur, regardez notre état, hein, de ne rien garder en nous après avoir entendu l'Évangile. Mais s'il y a lieu de briser son cœur, de se repentir devant le Seigneur ce matin, faisons-le. Hein, comme l'apôtre Paul nous dit, n'allons pas prendre un jugement contre nous-mêmes. N'allons pas prendre le repas du Seigneur indignement, hein, mais que notre cœur s'éprouve et que chacun regarde son état. Qu'il s'humilie, qu'il s'approche du Seigneur ce matin. Il y a la grâce de Dieu est là pour nous relever. Mais que chacun s'examine, regarde son cœur. Et prenons le repas du Seigneur avec joie. Et profitons de cela pour nous aussi nous encourager mutuellement les uns les autres. Hein, pour que nous soyons fortifiés. Amen. En nous encourageant, nous respectons quand même le geste barrière. Hein? Allons adorer Jésus et les frères vont passer avec la table du Seigneur ce matin. Merveilleux, là dans ta présence, et quel plaisir.
restaure mon âme et mon esprit. Il n'y a pas plus grand choix que d'être avec toi. Tu restes en mon âme. Tu restes en mon âme. À la gloire, Jésus. Tout le monde a été servi. Nous allons remercier le Seigneur pour sa grâce ce matin. Seigneur, merci. Merci pour ce moment que tu nous donnes encore de pouvoir partager ce moment avec toi, ce repas avec toi, symbole de ta mort, de ta résurrection. Seigneur, tu es venu et tu as donné ta vie à la croix pour nous. Pour nous libérer, pour nous affranchir de nos péchés, afin que nous puissions demeurer libres pour pouvoir te suivre et te servir. Ton corps fut brisé à la croix, et à travers de cela, Seigneur, tu as mis un terme au péché, afin que nous soyons libérés. Tu as versé ton sang pour nous purifier, afin que nous soyons irréprochables devant notre Dieu. C'est pourquoi ce matin, en prenant cela, Seigneur, nous voulons nous aussi nous identifier à toi dans ta mort et dans ta résurrection. Nous identifier dans ta mort de ce que nous allons, Seigneur, faire mourir en nous toutes les actions de la chair par la lumière de ta parole dans notre vie, afin d'y avoir part à la vie de la résurrection, la vie de ton esprit en nous. Seigneur, fortifie chacun de nous ce soir, ce matin, et que ta parole demeure dans notre cœur. Et que cette œuvre que tu as accomplie à la croix nous emmène de plus en plus, Seigneur, à nous identifier à toi. Merci pour ta grâce et merci pour ce que tu as fait pour nous. Alléluia. Nous allons prendre ce pain ce matin qui représente le corps de Jésus qui était brisé à la croix pour nous. Hein? Il a détruit le péché. Amen. Merci, Seigneur. Merci, Jésus. Alléluia. Alléluia, Jésus. Et nous allons prendre ce vin qui représente le sang, hein, de l'alliance qui a été répandu pour nous, afin de nous purifier et de nous sanctifier de tout péché. Amen. Dans la gloire, Jésus. Alléluia. Nous avons vraiment été bénis ce matin. Amen. Non pas bénis dans le sens émotionnellement ou bien dans nos façons d'entendre, nous avons été bercés, mais bénis dans le sens que dans notre cœur, nous avons été défiés par la vérité de l'Évangile. Amen ou pas? Hein, bousculés. Le Seigneur nous a visités. Donc voilà, on se retrouve mercredi pour ceux qui veulent descendre à Saint-Pierre pour entendre de nouveau l'évangile avec notre frère Jocelyn, et sinon on se retrouve dimanche pour notre culte mercredi matin à Saint-Pierre, hein, pour tous ceux qui veulent descendre pour entendre l'évangile à 9h30. Amen. Et nous sommes là s'il y a des personnes qui désirent nous voir. Hein, nous sommes là à votre disposition. Si vous avez un besoin, on peut prier pour vous. Et bon après-midi à vous et on se retrouve très bientôt. Le Seigneur est bon et son amour durera toujours, sa fidélité subsiste à jamais. Le Seigneur est bon.